En question. Le président. President, let's be seated. Veuillez vous asseoir. On ne voulait pas qu'on parle de la. The court is back in session. Do you have something to address the court? Avez-vous quelque chose à dire? You may now have the floor. Oui, vous avez la parole. Maître Copé. Yes, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I have a request for clarification in relation to the testimony of the civil party. La déposition de cette partie civile. I've listened with of course with great interest to whatever the civil party was testifying to this afternoon. La partie civile cet après-midi. However, I can also we can all observe that the events that he is describing are not part at all of the closing order. N'ont rien à voir avec l'ordonnance de clôture. His civil party application is not being referred to in the closing order. Constitution de parti civil. I know the chamber has been et la lien avec willing l'ordonnance de clôture. To allow testimony. Donc, if it maybe goes to si a certain policy. However, what we are hearing this afternoon is very factual, very concrete evidence of alleged events somewhere on an island which, part, as I said, is not part qui, at all of the closing order. So we are now getting too detailed, in my opinion, donc, into the events that happened, nous dans alone, trop de sur les the question whether même, the civil party really should be testifying si as he is. But I think we have a problematic situation. Donc, nous avons un now we have the closing order, that is the indictment against de clôture, c'est which l'acte d'accusation our client and Cusimpan have to defend themselves against. There's no mentioning défendre. At all. Of, dans cette ordonnance de clôture, il n'y a aucune island, mention des événements sur cette île. And subsequently, so I think this is a problematic situation in terms of knowing in advance what the accused should be defending themselves les against. Accusés doivent so my request for clarification is such: ma are we not going way too much into the details of pas trop loin the alleged events rather than allégués, hearing just only harm simplement being une déclaration de préjudice brought upon this particular civil party. Par cette partie so the question, very clear, the events described, donc, les événements the detailed events described by this civil party is outside of the scope de la of the closing de order, de since this island, Tamov Island, is not mentioned at all in the closing order. Aucune mention n'en est faite dans l'ordonnance de clôture. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais faire une requête préalable pour demander plus like de temps pour l'examen de cette partie civile, mais je profite du coup de ce que vous me donnez la parole But pour répondre aux objections de notre confrère Copé. En indiquant que finalement la réponse est dans l'objection, puisqu'il a lui-même indiqué que vous avez, et c'est la pratique qu'a retenue cette Chambre, vous avez décidé d'entendre des témoins, y compris sur le politique, et quand nous nous référons aux documents qui saisit votre tribunal, et je me réfère ici à l'annexe, le document E301-9-1.1 qui liste les paragraphes de l'ordonnance de clôture qui saisit votre tribunal pour le dossier 2.2. Vous avez un certain nombre de paragraphes pour lesquels le témoignage de M. Pragdon peut s'avérer utile à la manifestation de la vérité. Et je souhaitais citer, à titre d'exemple et de manière non exclusive, les paragraphes 213 à 215 sur la politique et les mesures spécifiques prises à l'encontre des Vietnamiens sous la section de l'entreprise criminelle commune dans l'ordonnance de clôture, ou encore les paragraphes 791 à 796
encore une fois mentionné dans l'annexe qui saisit votre chambre pour le dossier 2.2, ou encore les paragraphes relatifs à l'intention pour la question du génocide, paragraphe notamment 1348. Donc ce que nous demandons à la Chambre aujourd'hui, c'est de continuer la pratique qu'elle a adoptée depuis le début de ce dossier, de laisser la partie civile témoigner sur l'ensemble des faits qu'elle souhaite, et puis je dirais que chacune des parties appréciera ensuite et indiquera dans ses conclusions écrites et dans ses plaidoiries finales la façon dont elle souhaite que la Chambre traite les preuves qui sont explicitées devant vous aujourd'hui. Donc je vous demande simplement de continuer la pratique habituelle et de laisser M. Pragdeun et de laisser toutes les autres parties civiles qui viendront témoigner sur ce segment, puisqu'il est possible que nous puissions avoir cette discussion à nouveau pour d'autres parties civiles, que vous laissiez les parties civiles s'exprimer. Et encore une fois, vous avez suffisamment de paragraphes dans l'ordonnance de clôture qui vous permettent de considérer que leur témoignage est utile à la manifestation de la vérité. Pour en venir à ma requête initiale et le témoignage de M. Pragdeun, nous avons pris un petit peu de retard dans la façon dont nous avons conduit l'interrogatoire, notamment eu égard à la fatigue de M. Pragdeun. Donc nous souhaitions solliciter, M. le Président, 20 minutes supplémentaires pour que nous puissions également donner le temps suffisant au co-procureur pour qu'il puisse poser des questions à M. Pragdeun. Donc c'est notre requête, M. le Président, 20 minutes supplémentaires pour les parties civiles et le bureau des co-procureurs. Je vous remercie. Additional minutes for the civil parties and the office of the co-prosecutors. Thank you. President, you have the floor now, international deputy co-prosecutor. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à vous, et messieurs les juges, toutes les parties. Je voudrais répondre à l'objection très tardive qui a été faite par l'avocat de la défense. Je pense que la défense sait depuis déjà longtemps quelle partie civile et témoin était prévue pour ce segment. Votre chambre a choisi d'entendre cette partie civile. Effectivement, cela ne concerne pas Prévin ou Sveiring. Cela concerne une autre partie du territoire. Je voudrais simplement rappeler, d'une part, que la défense aurait pu soulever cela dès qu'elle avait reçu la communication des noms des différentes parties civiles et témoins. Deuxièmement, dans l'ordonnance de clôture, effectivement, il n'y a pas seulement des faits qui concernent Prévin et Sveiring qui sont mentionnés. On a déjà eu un témoin qui a témoigné sur les faits qui se sont passés à Simri, à Vatsa. Je crois que la même objection avait déjà été faite, si je ne me trompe pas. Bien sûr, ces témoignages de personnes qui ont vu ce qui est arrivé aux Vietnamiens partout ailleurs dans le pays peuvent être utiles à connaître la politique vis-à-vis des Vietnamiens, la politique du Parti communiste du Cambodge. Cela a été utilisé dans l'ordonnance de clôture pour justement établir qu'il s'agissait d'une politique nationale et pas d'une politique régionale. Donc beaucoup d'autres endroits, d'autres régions ont été cités. Effectivement, il n'y a pas eu ces événements décrits sur cette île-là précisément. Nous pensons que malgré tout, ces preuves peuvent être utiles à démontrer une politique ou à démontrer le caractère de l'attaque généralisée s'agissant de crimes contre l'humanité. Donc, attaque généralisée contre la population civile et en particulier ici contre les Vietnamiens. Voilà, je vous remercie, c'est tout ce que j'avais à dire. I thank you, this is all I wanted to say. Le President, you have the floor now. Counsel for Mr. Kusumpan. La défense de Kusumpan, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Suite aux observations de mes confrères, de ma consoeur de la partie civile et de Monsieur le Co-procureur international, je
pense qu'il convient que je fasse la requête d'ores et déjà de dire que s'il y a du temps supplémentaire accordé, il y a des chances que du côté de la défense, nous en ayons également besoin de temps supplémentaire pour deux choses. Pour rebondir sur ce que vient de dire M. le procureur international, la jurisprudence de votre chambre à cet égard, ma consoeur de la partie civile l'a également rappelé, ne nous laisse pas beaucoup espérer que vous aurez droit à l'objection de mon confrère. En revanche, sur le cas particulier des parties civiles, lorsqu'il y a des faits qui ne sont pas mentionnés spécifiquement dans l'ordonnance de clôture, la demande de temps supplémentaire est d'autant plus fondée du côté de la défense que les documents que nous avons en amont, en préparation du témoignage des parties civiles est particulièrement succinct. Vraiment, lorsqu'on lit ce qui est dans les documents qui nous ont été fournis relatifs à cette partie civile, on ne peut pas anticiper le témoignage qui est donné à la barre. Donc, dans ces conditions, j'informe la Chambre d'ores et déjà pour que les dispositions puissent être prises le cas échéant, que nous aurons également besoin de temps supplémentaire compte tenu de ces éléments nouveaux qui apparaissent pour nous et qui sont nouveaux pour la défense de son port. Le Président. President, I now hand over the floor to Judge Lavance to address the request by the parties. You have the floor now, Judge Lavance. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'objection soulevée par la défense de Nouchia, la Chambre note effectivement que cette objection est tardive et, par ailleurs, décide de rejeter l'objection. S'agissant, la Chambre considère que le témoignage de cette partie civile est important puisqu'elle nous permettra d'apprécier s'il y avait une politique existée au niveau
de la nation tout entière concernant les mesures prises à l'égard des Vietnamiens. Par ailleurs, s'agissant de la demande d'allocation de temps supplémentaire, la Chambre note que ce matin, elle a commencé à peu près 25 minutes avant la suspension pour le repas de midi. Et donc, la Chambre décide d'accorder à la, aux convocats principaux et aux procureurs jusqu'à la fin de cette session de cet après-midi. Et donc, nous verrons demain matin s'il y a lieu d'accorder du temps supplémentaire à la défense. Preston, thank you. So it is clear now for everyone. You may resume your questioning, lawyer for civil parties. You have doctor. Des parties civiles, vous avez la parole. Mr. Prakdon, just before we broke up for the break, you were telling the court that on the day that you were permanently separated from your wife, the CPK Cadre gathered seven mixed marriage families at Tamuv Island at night time, and that two adolescent Cadre escorted the group for about 10 kilometers, at which point the Vietnamese people in the mixed marriage group and the Khmer people were separated into two separate groups. You said that your son went with your wife. Just a point of clarification about how many children there were in the group that day. Answer. I would like to make a clarification regarding the children. I saw only two children. One belonged to mine and another one belonged to another family. D'une autre famille. The child, my child, was allowed to go with my wife. D'accompagner mon épouse. And as I was told, the children were thrown up into the air and they were killed afterwards with the bayonet. Empalés sur des baïonnettes. Some of us were discussing about the loss of family members, and I sometimes was not well after hearing about the discussion of the loss of family members. Et après avoir entendu, après avoir eu ces discussions so sur les disparitions de membres de famille, je ne me that sentais pas bien. The other child, question. The child who was est-il not juste yours, de dire que l'autre enfant, celui qui n'était pas le vôtre, était parti dans le groupe des Vietnamiens? Est-ce exact? Réponse. Answer. Actually, another child was with the Khmer group. Il y avait un autre enfant dans le groupe des Khmer. Was it because question. The child's father was était-ce parce Vietnamese que le père and the child's mother was et Khmer? La mère était cambodgienne? Answer. Réponse. The Vietnamese husband le père vietnamien were taken away and killed. And le père vietnamien for avait été women et who tu. Were Khmer, les pères vietnamiens étaient emmenés they were allowed tu. To les have the child with them. Pouvaient garder l'enfant avec eux. At the point at which question. You were separated from your wife, did you have any opportunity to speak non. to any of the cadres who were with you? Vous avez été séparé avec votre femme, avez-vous eu la possibilité de parler avec les cadres qui étaient avec vous? Answer. During the night of torture and killing, I did not dare discuss any matter. Je n'ai pas osé discuter de quoi que ce soit. To the direction where I was told je suis allé vers là où on m'a dit d'aller. Were you able question. To say anything to your wife avez-vous before she was separated quoi from que ce you? Soit à votre épouse avant que vous soyez séparés? Answer. Réponse. Let me tell the court. We
did not have detailed discussion at that time, since we were required to walk separately, and when we reached the destination, we were separated from each other. Did you ask the cadre whether you could stay with your wife? Cadre, si vous pouviez rester avec votre femme. Answer. No, réponse. I did not make the request. Je n'ai pas demandé cela. Concerning my child, I did make a request that the child, I wanted to have the child with me. Reste avec moi, c'est ce que je voulais. The comrade at that time said that I did not need to feed my child, and the cadre reassured me that I needed not to feel worried about my child, because my child would be under care of other people. D'autres personnes qui s'en occuperaient. Do you know where the Vietnamese group were taken to? Savez-vous où a été emmené le groupe des Vietnamiens? Answer. I was told réponse. That these Vietnamese people had been taken away and killed. I learned the information the next morning. Ces informations, je les ai reçues le lendemain matin. They did not use the term kill ils at the time. They used the word smash. And I was told that those people had been taken away and smashed. And we can draw the conclusion that if one was smashed, it means that he or she was killed. Who told you that the Vietnamese people were smashed? Qui vous a dit que les Vietnamiens avaient été écrasés? Réponse. Answer. Comrade Hum. Le camarade Hum. The unit chief. Chef d'unité. Of mine told me he chef d'unité. Tried to console me the next morning that my wife and the child had been killed. Me and que that ma comrade femme, blamed me tuée, why I married the Vietnamese wife. Critiqué, il m'a dit, il m'a demandé pourquoi j'avais marié une Vietnamienne. Je n'avais rien à dire. I was trying to answer to his question. J'essayais de répondre à ses questions. And I told that comrade that the regime, the former regime, did not ban me from marrying a Vietnamese woman. On ne m'interdisait pas, il n'était pas interdit de marier une femme vietnamienne. I said at that time why the late king father did not ban the marriage with a Vietnamese woman. N'avait pas interdit les mariages avec les femmes vietnamiennes. What did he say about how they were killed? Qu'a-t-il dit au sujet de la façon dont ils ont été exécutés? Answer. He réponse. Told me that the Vietnamese people hands were tied to the back and they were not dans le dos, interrogated et qu'ils n'avaient pas été interrogés. Those people were beaten and beaten into the grave where they were dug up, and the grave depth was about 0.6 or 7 meters. Did he tell you when these people were killed? 0,6 ou 0,7 mètres de profond. Answer. Question. Que pouvez-vous nous dire au sujet d'exécution? We had to travel réponse. Along the way, and we left the place at 6 p.m. From marcher, my estimate, we arrived at the destination at around 3:30. Vers 3 civil party. Do you know if they were killed immediately after your group separated from their group, tout de suite après or was it some other time? Les deux groupes étaient séparés, ou était-ce plus tard? Answer. Réponse. That comrade
told me that those Vietnamese people were smashed immediately after they were separated from my group. They were killed at the pit. Ils ont été tués à la fosse. And what did he tell you about how the children were killed? Que vous a-t-il dit au sujet de la façon dont les enfants avaient été tués? Answer. Réponse. The explanation is that the children were thrown up into the air and when they les enfants ont été jetés dans les airs et sont retombés. Down, they were killed with the bayonet. On les a tués à coups de baïonnette. After you were separated Question. From the Vietnamese group, après avoir été séparé what du happened groupe in the Khmer group? Que s'est-il passé dans le groupe des Khmer? Answer. Okay, réponse. After the killings, I was après l'exécution, put into a unit responsible for on supervising m'a fait intégrer une women unité responsable at the field. De la supervision des femmes dans les champs. There was another man who got married with the Vietnamese woman as well. I was with him at the time j'étais after the killings. So we were on a house for 1 week, so we were allowed to eat whatever other people ate. I could have a fish and rice at that time, and after that 7 days, I resorted to normal rice. Je suis revenu à un régime normal de after the question. Vietnamese spouses in the mixed marriage après que les groups were taken and killed, were there any more Vietnamese people on Tha Muv Island? Y a-t-il encore d'autres Vietnamiens sur l'île de Tha Muv? Answer. Réponse. No. Non. No more Vietnamese. All Vietnamese had tous been les Vietnamiens sent away and smashed. Those who spoke with accent and those who were suspected to be Vietnamese, they were sent away and smashed. There was one incident that one Chinese person was also sent away since that person spoke not clearly Khmer. That person was in a different cooperative and the cooperative's area were situated close to each other. Mais cette zone de coopérative était proche des unes des autres. Now the last question. The last time you saw your wife was at the end of 1977. I'd like to talk now about your remaining children. You said that your youngest son, who was 1.5 years old at the time, was taken with your wife and your mother-in-law at the time that you were separated. What happened to your other children, your other 5 daughters? Answer. The remaining children, that is the 5 daughters, the first daughter was sent into sur a cooperative, filles, plutôt, and the second daughter was also sent into elle, a cooperative in a mobile unit. Coopérative au sein d'une unité concerning mobile. The third daughter, I was told that she was sent into a training session. The fourth daughter was put into a children unit. Mise dans une unité pour enfants. And that children, that child did not have anything to eat but the morning glory and she had no medicines when she was sick and perhaps 20 children died every day in the unit because of hunger and because of sickness. Some children died of diarrhea and some other would be buried although they did not die yet at the time. Même s'ils n'étaient pas encore morts. When was the last time that you saw these daughters, the three who you say passed away? Trois filles qui sont mortes. Aux trois filles qui sont mortes.
answer, réponse. Let me tell the court Laissez-moi that the last dire time, à la chambre que la dernière fois que I did not meet my daughter the last time. I only heard of the information that seulement, they je l'ai pas vu, j'ai died. Seulement entendu dire qu'elles étaient and mortes. Two of my children et deux de mes survived. Enfants ont survécu. One was Mikaba. Un, c'était Mikabat. I was told that some of my daughters died in the cooperative and in mobile units in other cooperatives. Dans les unités mobiles, dans d'autres coopératives. Do you know question, how est-ce que vous your savez two daughters who survived qui ont survécu did manage to survive? Ont réussi à survivre. The two daughters who réponse, survived, les deux filles qui ont survécu actually survived, ont because survécu sometimes parce I secretly sent some dry fish to them, and that happened every 3 or 4 days. So I gave the fish to someone who delivered de, the fish supply, donc, je donnais and le poisson had to give half to him. Et je devais so donner sometimes la moitié I du poisson kept sending them food, à mes filles. Donc je pouvais leur envoyer de la nourriture de temps en temps. Beans. Sometimes I cooked the beans at night time, ou parfois and les haricots I secretly sent que je cuisinais la nuit, them. Et ensuite je leur ai envoyé and ça that reason, clandestinement. They could survive. Donc elles ont pu survivre grâce à ça. And I named them in a funny way so that they could survive. Pour qu'elles puissent survivre aussi. The, your two daughters who survived. Vos deux filles qui ont survécu. Did they look Vietnamese or did they look Cambodian? Vietnamienne ou avaient-elles l'air cambodgienne? Réponse, les deux filles still qui today, sont encore vivantes you aujourd'hui could see that they looked purely Khmer, l'air as they Khmer. Had, they have that complexion elles as étaient man. Foncées. Elles sont foncées, corrige j'interprète. Now you said that question, after vous avez the, dit que separation of the Vietnamese from the mixed marriage families. Que les Vietnamiens there were ont no été séparés des familles Island. Mixtes. Il n'y avait plus de Vietnamiens sur l'île de Tamouv. Est-ce que c'est correct? But at that time there was no longer any Vietnamese left. Oui, à ce moment-là, il n'y avait plus de Vietnamiens qui restaient. Your Honour, that concludes my questioning for Madame, this messieurs les juges, party. J'en ai terminé avec mes questions pour cette partie civile. Maintenant, je voudrais donner la parole au co-procureur pour qu'il puisse poser des questions à cette partie civile. Vous avez la parole, donc. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. Bonjour, monsieur la partie civile. Good afternoon, je voudrais vous poser des questions party. De suivi I would like to ask sur ce que vous avez déjà dit et puis aborder un autre thème tout à l'heure qui est celui de l'arrangement des mariages par l'ANCA. Vous avez dit tout à l'heure que votre femme était née au village de Kampong Pra, dans la commune de Chnok Tru, district de Boribo. In the district savez-vous of quand votre belle famille s'est installée au Cambodge? Now, do you know when your in-laws actually settled in Cambodia? Est-ce que votre belle famille est arrivée bien avant la naissance Did de votre femme? Did they arrive well before the birth of your wife?
Deputy co-prosecutor, Veuillez reposer la question à la partie civile parce qu'elle a peut-être oublié la question. Oui, vous aviez. Yes, sir. Vous aviez mentionné tout à l'heure que votre femme était née dans le même village que vous, à Kampong Phra. Combien de temps avant sa naissance, sa famille s'était-elle installée au Cambodge, dans cette région? D'où venaient ses parents. Très bien. Alors, les six enfants que vous avez eus, qui étaient nés déjà en 75 et 77, en fait, vous les avez eus avec votre femme Busamban. Comment les avez-vous éduqués? Est-ce que vous les avez éduqués selon les traditions khmer ou selon des traditions vietnamiennes ou bien un peu des deux? J'ai permis à mes enfants d'aller à l'école pour qu'ils puissent apprendre la littérature khmer, cependant nous suivions les pratiques traditionnelles de ma femme à la maison, et plus tard, bien sûr, avec le régime, c'était impossible. Est-ce que sous le régime des Khmer Rouges, donc toutes ces traditions, cette culture, les vêtements vietnamiens étaient interdits? Même pas pour la culture khmer, on pouvait même pas porter de chemise rillée. Il fallait que nous nous habillions en noir. Black cotton clothes, so that we were considered to be part of the revolution. Parce que pour ainsi nous étions considérés comme faisant partie de la révolution. Bien, j'en viens alors à cet épisode tragique. Lorsque votre femme, votre belle-mère et votre fils ont été tués, si je ne me trompe pas, vers Tul Roca, dans la commune de Meloum. Est-ce que vous savez qui précisément les a exécutés? Oui, je prononce mal, donc Meloum. Savez-vous qui précisément les a exécutés ou bien l'avez-vous appris? Je ne sais pas qui les a tués. I knew that no about who actually killed them. Les deux jeunes gens que vous avez mentionnés qui accompagnaient votre groupe de famille mixte, donc un garçon de 14 ans et une fille de 18 ans, s'agissait-il de cadres, comme vous le dites, ou bien de miliciens, de schlop?
They were réponse, ils étaient cadre, ni cadres, no, militia, ni schlops, c'était que des soldats. And, I et believed that they were part of the soldiers who were assigned to cut them and to execute them, though I did not witness the execution. And there was a well-known comrade Bone, who was the executioner in the area. For example, if a woman who committed a moral misconduct, the person would be sent to comrade Bone, and that would be the end of her life. Executed elle serait by exécutée this par comrade Bone. Le camarade Bone. And he was born at the area of Wat Antebang, and everybody was so scared of him. Wat Antebang, et tout le monde avait très peur de lui. D'accord. D'accord. Donc le camarade Bone était connu so comme étant Bone un bourreau sur dans cette région. C'est bien cela? In that region. Am I correct? Yes, that is oui, the truth. Absolument. Lorsque votre femme, votre belle-mère et votre fils ont été exécutés avec l'ensemble des Vietnamiens à proximité de l'île, est-ce que les forces vietnamiennes avaient déjà lancé leur grande offensive contre le Cambodge? At that time, no. À l'époque, non. There wasn't. However, ce n'était pas encore arrivé, mais I heard that the Vietnamese was accused of infiltration. Accusés d'infiltration. And later on, yes, et the Vietnamese plus tard, effectivement, les Vietnamiens sont arrivés Cambodian territory. Sur le territoire and du Cambodge. I knew that et they came to liberate qu'ils étaient us venus and pour to nous libérer. Overthrow the Khmer Rouge and that we would survive. Et donc j'ai su que nous pourrions ainsi survivre. D'accord, en fait il y a eu deux offensives. La première c'était vers fin 77, début 78. La seconde à laquelle je pense que vous faites référence c'est celle qui a renversé le régime. Je parlais plutôt de la première des deux attaques du Vietnam. Est-ce que votre femme a été tuée avant ou après cette première attaque? Your wife killed before or after the first attack? President, Mr. Civil Party, President, please hold on and Council Kongsamon, you have the floor. Kongsamon, thank you, avez la parole. Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. I'd like to make my observation. It seems that the Deputy Co-Prosecutor actually testified on behalf of the Civil Party on the attack by the Vietnamese troops. And in one of the last questions by the Co-Prosecutor, whether the Vietnamese troops had already attacked Cambodia. It would be very difficult for the civil party to respond to that question. He was in a location he would not have the knowledge about any attack by the Vietnamese troops in any part of the country. So partout it would be better if the co-presenter is more specific and only si refer to the location where he lived. Et si il se référait uniquement au lieu où il vivait. Bien. Je vais procéder autrement, Monsieur le Président. Well, je vais lire les extraits des déclarations de Monsieur, en tout cas, que sa constitution de partie civile E3-4989. En français, c'était à la page 008910135. En anglais, 008910132. Et en khmer, 005562176217. Donc voilà ce que vous avez dit, monsieur la partie civile. Je cite. Fin 1977 et début 1978, les Khmer Rouges se sont mis à appliquer leur politique pour arrêter et exécuter les Vietnamiens. Fin de citation. Et à la page
suivante en français. En anglais, c'est à la page 008910034 et en Khmer 00556218. Vous avez dit ceci, je cite, « Je précise que la politique de recherche des Vietnamiens pour les exécuter était appliquée au moment de l'agression des forces armées vietnamiennes dans le territoire cambodgien. » Fin de citation. Est-ce que ces déclarations vous rappellent le moment plus ou moins précis où votre femme, votre belle-mère et votre fils ont été exécutés? Wife, mother-in-law, and son were executed. Of course, it was painful for me for the loss of my family members, and part of my memory was lost. Because every night at that time, I dreamed. À l'époque, je rêvais of my wife de ma and femme children. Et de mes enfants. And for that, my et health has been à cause de cela, deteriorated since. Ma santé s'est détériorée so depuis. I would like to donc, apologize to je voudrais the chamber if m'excuser I auprès de la chambre what happened. Si je ne peux pas me rappeler exactement President, ce qui s'est passé. Le président, please try to listen to the question carefully. Essayez d'écouter la question attentivement. Question, et si vous ne comprenez pas la question, bien sûr, vous pouvez demander the question to be à ce que la question repeated. Soit reformulée. And deputy co-prosecutor, please repeat your last question. Répétez votre dernière question, seems, parce qu'il paraît que la partie civile ne l'a pas comprise. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Donc, en fait, j'avais cité ce que vous aviez dit well, actually, I was just dans votre formulaire de constitution de parti civil. Et vous aviez dit que c'était fin 77 ou début 78, au moment où les Vietnamiens avaient attaqué le Cambodge, qu'il y avait une politique qui avait été mise en œuvre pour arrêter et exécuter les Vietnamiens. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur la période durant laquelle votre femme et les autres membres de votre famille ont été exécutés? Je n'ai toujours please, pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez me la reposer? Je crois que par manque de temps, Monsieur le Président, je vais finir par passer à un autre sujet. Time ce n'est is pas short, grave, Monsieur President, le Président, so we can Monsieur move on. It doesn't matter, Mr. Silverparty. Vous avez en fait parlé de politique des Khmer Rouges, about a Khmer Rouge de recherche, d'arrestation, d'exécution des Vietnamiens. Tout à l'heure, vous n'avez pas été très clair. Est-ce que vous avez vraiment entendu quelque chose vous-même à la radio à ce propos-là, ou bien est-ce que vous avez entendu des cadres en parler ou parler d'une émission de radio à propos des Vietnamiens? They asked me ils m'ont demandé that in my cooperative were there any s'il y avait Vietnamese? Des Vietnamiens dans ma coopérative. And I told them je that leur ai I dit did not see any. Que je n'en ai pas vu. And then I was et ensuite, asked, on m'a demandé whether si were there any il y avait ethnicities there, d'autres, de personnes d'autres ethnies dans la coopérative, si je connaissais l'existence de personnes d'autres ethnies. Et après quelques questions, ils ont arrêté de me questionner par rapport à ça. Pardon, je voudrais aborder alors un dernier sujet, parce qu'il me reste peu de temps. C'est celui des mariages. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous savez de l'arrangement des mariages? Now, can you tell us what you know about en 77-78 par les cadres du Democratic Kampuchea cadres? Nhưng ban của chúng biết chung, bên năng vì
À that time, the car driver was the unit chief, sent me to cut some trees in order to make tools to catch fish, afin de créer des outils pour pêcher. And I was with the district cadres, du district, and they also there were cadres from the district, they referred to as district 20. 20. I was called to go with them. J'étais donc and avec they eux told me that at this hour, this day, that I had to go meet them in the cooperative. Aller dans la and I was thinking what I did wrong, maybe I saw something de and they they did not learn about that. Et auraient and the ça. Person was et the village, was the district chief who told me chef to de go there. Là-bas. So I was afraid. Donc j'avais peur. Later on, I et saw tard, them cut trees and made some poles. Couper les arbres et fabriquer des poteaux. And then et they ensuite, kind of built a table on top of the poles. Une sorte de table au-dessus des poteaux, des piquets. To et help them. And then I aider. Saw some rice ensuite, cake there, and we only was given a piece of rice cake each. Un petit morceau de ce gâteau de riz. And then, et ensuite, we learned that nous it was an arranged marriage ceremony, and we, the men and the women, et que les hommes, did not les femmes know anything about ne savaient that. Rien à ce sujet. Later on, et plus tard, we were asked to make some to say some words. De dire I was feeling rather uncertain. Et je me sentais pas très I was a bit excited, a j'étais bit worried. Un petit peu inquiet. I was asked et to speak first. On m'a demandé de parler en premier. And then et I said ensuite, that, j'ai dit que Ankar, qui avait organisé wedding ceremony, notre cérémonie de mariage, rather, I was told that Ankar plutôt, organized our wedding ceremony and that we should maintain the marriage. Et donc il fallait as a part of the larger maintenir family. Cette idée de mariage comme faisant partie d'une famille élargie. And that the larger family cette famille élargie was the composition of smaller families était faite de petites familles and that we should stay together despite the work that we have to do malgré le travail qu'on devait faire. Later on, et plus tard, I asked a person j'ai demandé à quelqu'un how they comment wedding ceremony les cérémonies was de mariage arranged. And then ensuite, I was told that they actually asked if qu'on demandait we actually consent to the marriage si and if not then we would be taken et away to the si forest and killed. Nous that à la is forêt the pour nous essence tuer. Of what I can recall la, from the arranged marriage at the time. C'est après ça que j'ai dit par rapport au mariage arrangé à ce moment-là. D'accord. La cérémonie à laquelle vous avez assisté, now, this ceremony combien y avait-il de couples attended, qui devaient se marier ce jour-là? How many je demande une réponse très courte. Married on that day. Answer briefly, please. There were 25 couples. 25 couples. Est-ce que vous savez si parmi ces couples, do you know ces gens s'étaient choisis pour se marier whether ou bien avait-on choisi pour eux? People had chosen each other to get married or had the choices been made by other people? The cadres from the unit made the proposal but on fait we ourselves did not propose. Nous, however, some actually made a proposal quelques to the cadres, while the majority of the couples were chosen by the cadres étaient déjà choisis themselves. D'avance par les cadres eux-mêmes. Est-ce qu'il y a donc parmi ces 25 couples des jeunes among gens the 25 qui ont découvert couples, le jour du mariage avec qui ils devraient se marier. Who que vous, found out je crois que vous avez dit ça tout à l'heure, ce que vous confirmez. To on the day of their wedding. I do believe that you did say that, but could you just confirm it for us, please?
When I asked them around, nobody knew who would be his or her future husband or wife. Le futur époux ou la future épouse. Because I did not have an opportunity to ask every man and woman there, and we asked those who were sitting next to me, and they said that we were called by Ankar to attend that meeting, and they were not aware that they were to get married. Que nous allions nous marier. Est-ce que ces personnes qui devaient se marier ont dû prendre un engagement devant l'Ankar? Est-ce que certains ont choisi de refuser de se marier? During the marriage ceremony, each couple had to go and make a speech, faire un petit discours, and nobody dared to protest whether contester he or she wanted to get married. Le fait de se marier. And they would only press Ankar for organizing such a wedding, and that we would never forget about the nature of our work, although we constantly had to think about the small family as well as the big family. Mais nous pensions bien sûr à cette idée de la petite famille au sein de la grande famille élargie. Après la cérémonie de mariage à laquelle vous avez assisté, after the marriage ceremony that you la cérémonie d'engagement devant l'Ankar, est-ce que les couples devaient vivre ensemble et devaient-ils précisément consommer le mariage? They have to consummate the marriage. That night, cette nuit-là, cadres would spy on the newly married couples, and actually some couples were caught as they refused to consummate the marriage, or that they were shy so that they would not consummate the marriage. And from my recollection, there were two couples who were caught not to consummate the marriage. And the rest, although they might or might not consummate the marriage, they kept quiet. Même s'ils n'avaient pas consommé leur mariage, étaient restés silencieux. Est-ce que les deux couples qui ont été arrêtés ont-ils fait l'objet de menaces ou de punitions? What happened to the two couples who were arrested? Were they threatened? Were they punished? I heard that they were not punished, but they were re-educated once. They were advised by Ankar to consume their marriage and to live together and not to blame Ankar. Leur mariage, de vivre ensemble et de ne pas se plaindre auprès de l'Ankar. And later on, I did not know what happened to them. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux. Lors de la cérémonie de mariage, est-ce que, à part vous, des cadres Khmer Rouge ont-ils pris la parole et qu'ont-ils dit aux couples qui étaient présents sur place? Leur ont-ils donné des instructions ou des consignes? And what did they say to the people who were there? Did they give them instructions of any kind? After we spoke, cadres who were in charge of organizing the marriage, les cadres qui avaient organisé la cérémonie de mariage ont prononcé un discours. We had to follow the instructions of Ankar. Suivre les instructions d'Ankar. And for that reason, they organized this wedding ceremony. And whether we were satisfied with the arrangement, and they said yes, and then they said si nous we had to follow cela. And abide by all instructions by Ankar. And that's all I heard, and then I went to sleep. Et ensuite, je suis allé me coucher. Juste dernière question pour être sûr que nous ayons bien compris. Vous avez assisté à cette cérémonie de mariage, mais il est vrai que vous ne vous êtes pas remarié ce jour-là. Pouvez-vous nous dire en fait quand vous vous êtes remarié? Est-ce que c'était pendant le régime de Khmer Rouge ou bien c'était après le régime? Was it during the Khmer Rouge regime or was it subsequently?
I remarried in 1979 after the arrival of the Vietnamese in Kampong Chhnang province. And actually, the marriage ceremony was conducted according to the traditional way. De façon traditionnelle. President, thank you. Le président. The proceedings today has come to an adjournment. Voilà, for that reason, the chamber will adjourn now and resume tomorrow. That is Thursday, 3rd December 2015, commencing from 9 o'clock in the morning. Jeudi, tomorrow, the chamber continues to hear the testimony. Demain, la chambre continuera d'entendre la. Of this civil party and comment hearing testimony of another witness that is through TCW 886. And Mr. Dern, the chamber is grateful of your testimony. However, it is not yet concluded and you are invited to be present again in the courtroom at 9 tomorrow. And to the chamber, would I also to thank you, the TPO staff, and please come again tomorrow to provide support to the civil party. Court officer, please, in collaboration with WISU, make a transportation arrangement for the civil party pour que cette partie civile to go to his accommodation and have him return to attend the proceeding tomorrow from 9 o'clock in the morning. Security personnel be instructed to take the two accused back to the detention facility and have them return to attend the hearing tomorrow before 9 o'clock in the morning. The court is now adjourned.